Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce 28e épisode sur Fallout 4. Et nous revoici devant le Forhagen, où on est parti pour faire la peau à l'ami du petit déjeuner, notre ami Kellogg's. Et avant de commencer cet épisode, j'ai eu la présence d'esprit, le bon réflexe d'aller vider mon inventaire au Raid Rocket, et donc on va pouvoir faire cette mission sereinement et ramasser tout le bordel qu'on peut y trouver. Alors, allons-y! Ah, bon. Alors, voyons voir où se trouve notre ami Kellogg's. Ça, c'est une porte enchaînée, donc on va très certainement pas pouvoir l'ouvrir. Ici, il y a une boîte à outils qu'on va pouvoir déverrouiller. Nickel, regardez-moi ça un petit peu. Cet homme qui a la classe. On va prendre ça. J'entends des tourelles. Ok, il semblerait y avoir du monde en fait. Il faut que je fasse gaffe parce que... Comment ça, Tnit? J'ai été vu par rien. Mais non, j'ai été vu par rien du tout. Voilà. Il chargeait un truc, je sais pas quoi. Mes capteurs doivent être trop sensibles. Ah non, y a personne. Barrez-vous. Ok, on va devoir y aller stealth, comme on dit dans le jargon. Hop. J'ai une petite idée. On va faire une diversion. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça pourrait être ça. Et voilà. D'ailleurs, c'était ça. Vas-y, on s'en fout. Active l'unité, ça va déjà foutre suffisamment le bordel. Vas-y, mon grand. Fais le café. On n'attend plus que toi. Ah, ok. Non, non, c'est faux. Il y a le peuple, nom de Dieu. N'ouvre pas toutes les portes, Canigou, tu me fous les jetons. Un drapeau américain plié, je prends. Je m'en fous. Plus rien. Merci, monsieur le protectron. C'est plutôt de la balle. Ça a l'air grand quand même comme endroit. Je sens qu'on va se paumer ici. Je sens aussi que cet épisode va être très long. Pour une raison évidente, c'est que je vais avoir envie de tout fouiller. Il semblerait que votre tentative de discrétion ait échoué. Ouah, il y avait des mines en plus. Bah c'est bien, on les a évitées nous. Canigou non par contre. Ah, ouvre-toi, saleté de valise. Ce n'est pas une valise qui va me déverrouiller. En plus, novice est... C'est bon. Mais c'est de la merde! D'accord, ça on peut pas l'ouvrir. Approchez,
Ça c'est enchaîné donc on pourra pas. Ici il y a quoi? Un globe, je prends. En plus il a l'air d'être quasiment intact. Je ne suis pas là. Ce n'était pas moi. Aïe, oui. En même temps, t'as eu mal aussi, toi. Si je tire là-dedans, ça fait quoi? Bon, bah, je crois que c'est foutu pour l'infiltration. D'accord, il y a un truc là, en plus. Est-ce que je peux le déglinguer d'ici? Aïe. Eh ben, aïe, j'ai mal. Bon, apparemment, on peut pas faire ça. Bon, il va falloir employer la bonne vieille méthode de la ruse. Donc, on recommence. En mieux, cette fois. Ils sont violents, hein. Et ils sont beaucoup, aussi. Et ils sont bien cachés. Et ça va être compliqué, je le sens. Joli. Bon, je veux mon scotch. Laissez-moi prendre mon scotch. Non mais... Bon alors le coup du protectron, je pense que c'est pas forcément la meilleure idée qui soit. Mouvement détecté. Curieux. Oui mais non en fait. Alors on sait qu'il y a... des méchants par ici. Genre ici, là. Ça. Déjà, ça, ça m'embêtera moins. Ah ouais, d'accord. Vous êtes là aussi. Ah ouais mais non, non, ça marche pas là. Si vous êtes aussi nombreux là, ça va pas le faire. Voilà. Et puis on va prendre une vraie arme, si vous me permettez. Parce que là, mon machin à la con là, ça va pas aller loin. Ouch. Non mais ça va, 2 minutes, oui. Mais c'est quoi ce délire? Mais ils sont ultra nombreux. Bon, le pompe, apparemment, ça fonctionne bien. Donc on va faire ça, je pense. Je pense que ce que j'entends, c'est au-dessus. Je prends les paquets de cigarettes, je prends les chéquiers, on s'en fout. Et la musique est beaucoup trop forte. Ça, je veux bien. C'est bon. Alors je prends ça. Je prends ça. Mais vous êtes super nombreux les mecs hein. C'est la grosse violence. Fusil de l'institut. Mais il me semble que je l'ai perdu le fusil de l'institut moi le mien. En prendre 1000 hein. Allons par ici.
Mais je crois que Kanigou est monté à l'étage. C'est un peu de sa faute aussi. Du coup. Quoi derrière là? Des paquets de cigarettes, je prends. Ça vaut cher, hein. Ça vaut cher aussi. Ouais, d'accord. Non, non, chute! Là, je m'en suis pris plein le buffet, mais alors vous, qu'est-ce que vous avez mangé? C'est un petit peu... D'accord, il y avait... Il y avait un piège. Pour cette caisse à explosifs. Donc je suppose qu'il devait y avoir des super explosifs, parce que c'est verrouillé et il y a un piège. Voilà, donc il y avait juste ça. Ça valait vachement le coup. Ah ça par contre je prends, ça a l'air cool. Ah un atelier de chimie. C'est bien cool. Un crâne. Bah on va pas le prendre. Pourquoi pas. Bon, ce qui est sûr... Ça c'est en alu, je prends. Ah, je comprends. Vous vous cachez car vous avez peur de la mort. Bah, c'est-à-dire que, en fait, si tu étais vraiment vivant, espèce de boîte de conserve, tu comprendrais que la majorité des êtres vivants ont un petit peu effectivement peur de la mort. Hein. Et puis, disons que c'est pas super agréable, on bouge plus, on peut plus faire ce qu'on aime, on peut plus tourner de vidéos sur YouTube, ce genre de choses quoi. Donc effectivement, c'est un petit peu chiant. Mais bon... Ça, c'est si t'étais vivant. Arrête d'ouvrir les portes comme ça, tu fous les jetons. Donc ça, on va le faire après. Moi, j'aimerais continuer à looter dans ce coin-là. Je vais prendre ça. D'accord, ici on a plus ou moins tout fait, je pense. Hein? Ouais. Ou du moins je l'espère. Oui, je pense qu'on a tout fait. Pardonnez-moi, j'aime bien tout looter avant de me barrer d'une zone. Ouais, ouais, il y a une présence ennemie. Bah, effectivement, hein. Je sais pas si t'as entendu tout à l'heure la canarde, mais voilà. La canarde, hein, les coups de feu. Un appareil photo, bah, c'est toujours cool. Je prends. Le petit ventilo que j'avais repéré tout à l'heure, pour les vis. Le Medix ne fait plus effet. Ça pue. Parce que maintenant, si on se fait tirer dessus, c'est full dégâts. Le dentifrice. Toujours bien ça. Bunny way. Ah, les petits briques à essence. Le rouleau de scotch, je l'ai vu. La craie. La mine. Non, mais essayez pas de me baiser, hein. Un fusible. Le téléphone, c'est toujours sympa. Alors ça, c'est le truc que j'ai déglingué tout à l'heure. Ah, il a une armure de synthétique. Ça peut être sympa. Kanigou, je ne sais absolument pas où il est. Ça, du coup, je vais pouvoir l'ouvrir. Et est-ce que ça, on peut l'ouvrir? Comment on peut ouvrir ça? Genre... Avec ça, non? Packing. Non, ce n'est pas ça.
Battles, ce n'est pas ça. Corners, c'est pas ça. Decades, c'est pas ça. Ah, ça pourrait être Section. Pourquoi pas. Ça y est. Ah, voilà. Alors, commande de la tourelle. Désactiver. Voilà. Commande de la porte de sécurité. Ouvrir la porte. Bon, merci. Ah bah bon, en plus maintenant faut déverrouiller ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, les mecs protègent tout bien, mais ça se trouve en plus tout ça pour 3 Lego et un Playmobil. Ah, d'accord, super. Une robe à paillettes? Oh, why the fuck not? Et une montre à gousset en argent. D'accord, donc c'est bien ce qui me semblait. Pour 3 Lego et un Playmobil. L'étage. Ça marche. On monte. On avait les escaliers, hein. D'accord, il y a des gens là-bas. Je me cache pas, c'est vous qui vous cachez. Attendez une seconde. On en vient d'ici. Ah, effectivement. Attendez, on va essayer de descendre par les escaliers du coup. Il me semble que j'avais vu des escaliers par les... monter par les escaliers. Voilà. Donc je prends tout, merci. D'accord, vous m'avez vu. Ok. Non mais venez. On s'amuse bien ici. Je prends tout, hein. Je ne me fais plus chier. Ouais, c'est en morceaux ici. Ah là, tourelle. Des chutes. La machine à écrire. Bon, on a des petits bugs de texture, mais c'est pas bien grave. Au. Saleté. Encore? Mais vous mettez tout sous clé, ma parole. Ça y est. Puis en plus pour 3 Playmobil. Ah bah oui, mon grand, forcément, quand on essaye de s'attaquer à une tourelle comme ça, au corps à corps, et qu'on n'a pas les moyens de la détruire, ça fait mal. Anyway, on a trouvé de nouvelles lunettes. Ça pourrait être cool. Donc nous on a direct contourné par ici. Paquet de cigarettes, je prends. La cuisine. Alors, qu'y a-t-il dans la cuisine? Une plaque chauffante, je prends, il y a des vis dedans. Encore des paquets de cigarettes, bah dis donc. Je vais avoir de quoi revendre. Et ça, c'est pour monter sur le toit. Donc, par ailleurs, on n'a pas besoin de monter sur le toit. Voilà. Encore sous clé, mais bon sang, tout est sous clé ici. C'est chiant. Génial.
Bon, je prends tout. Microscope et tournevis. Non. Non, non, ça ne m'intéresse pas. Et je recharge. Pour être sûr de pouvoir coller une bastos au méchant. Et avant d'y aller plus loin, un petit coup de steampack pour être sûr que tout va bien. Et non, je n'activerai pas le protecton, je crois que c'est la meilleure chose à faire si tu veux te faire buter au final. Donc nous, on a été par ici. Allons par là, voir. Les capteurs détectent une présence ennemie. Oui. Bah oui, il y a une présence ennemie, effectivement. Ça pourrait être bien. Trop loin. Ah, mais on a suffisamment de munitions là-dedans. Ok. Oula. J'ai déclenché un piège. Il fallait pas. D'accord, bon. Au final, on a entendu... On a fait... Non. Je veux pas y aller. Il valait mieux fuir, en effet. Je ne te le fais pas dire. Alors ici, on va essayer d'éviter de tirer. Contact détecté. Peut-être. Je l'ai eu. C'est bon, Canigou, je l'ai eu. Ici, on va éviter de tirer parce que si vous avez regardé, il y a de l'essence partout. Une glacière de drogue. C'est encore verrouillé. Mais bon sang. C'est bon. Le mec est pas... Mais juste pour un Playmobil, quoi. Le mec est parano. C'est la violence. Et apparemment, il habite en dessous. Oh, le mec avait juste une matraque. Ça m'intéresse moyen quand même. Ça m'intéresse, en revanche. Bon bah y'a plus qu'à descendre. Tiens, une vieille connaissance. Alors, on est enfin sorti du congélateur. Sans vouloir vous vexer, la date de péremption est dépassée depuis longtemps. Ah d'accord, tu l'as déclenché quand même. Oh, regardez-moi ça. Des grenades à impulsion. Attends, je vais t'échanger des trucs. Hein. Oui, bah, tu. Regarde, tu vas prendre les fusils de l'Institut, le pistolet aussi. Ça aussi, tu vas le prendre. On n'est pas forcément ultra besoin. Et ça non plus. Voilà. Alors pourquoi je prends les canettes? C'est parce qu'en ce moment, forcément, à force de construire des trucs dans le Red Rocket, eh ben, je suis en manque d'aluminium. C'est encore sous clé. Kellogg's, c'est le bordel. T'as tout foutu sous clé, hein. Bon, ça me dérange pas dans la mesure où déverrouiller des trucs, ça me fait gagner des points d'XP, mais ça risque d'être relou. Ça y est. Surtout pour 3 Playmobil.
Ah, attends. Je prends ça. Bon, le mec habite par là. Donc on va essayer de faire attention. J'ai dit faire attention. Ouais, ça, il me reste pas mal de munitions. Aïe, aïe. Oh, le mec arrive en face de la tourelle. Salut. Le mec savait pas qu'il y avait une tourelle. En mode, ok, non, mais je rentre comme si c'était chez moi. Après une sieste de 200 ans, vous avez dû avoir un choc en voyant l'état de la maison. Mais on n'a pas de place pour vous ici. Désolé. Ben, merci. Bon, et apparemment on change de zone, donc on est toujours dans le Fort Hagen, mais apparemment on rentre dans le centre de commandement. Et désolé hein, pour mes fails, mais voilà, c'est comme ça, hein, y a des choses qui se passent comme ça. En tout cas, je vais vous laisser ici pour cet épisode 28 sur Fallout 4. Merci d'avoir suivi mes aventures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela vous a plu. Et si vous voulez que ça continue, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, éventuellement partager la vidéo avec vos amis, votre famille et qui sais-je encore. Je vous souhaite encore plein de bonnes choses, tout le bonheur du monde et surtout hashtag amour viril.